bateau avance à une vitesse de l'ordre de 25 nœuds, enfin mettons 50 km/h, quand tu flottes et que tu pousses de l'eau, c'est 30 à 40% de frein en plus. Donc du frein en plus, c'est de la consommation en plus, c'est de la pollution en plus, c'est du bruit. Tandis que quand tu voles, c'est pas de bruit, c'est pas de vagues, c'est transporter moins, c'est la fluidité totale. Demain, ils prendront leur iPhone en se disant « Tiens, je vais à la Cénétique de Genève ou à Lausanne, j'ai une bulle à 4 minutes, donc c'est catch a bubble et transportez-moi. » Là, on sent ça commence à lever. Bienvenue à Air Bubbles, en vol. Et s'il y a des vagues, il se passe quoi? Bah, le bubble ne bouge pas et les bateaux d'à côté tapent. Moi, l'idée, c'est... Tu vois, je saute dans un barbare et le bubble ne bouge pas.